Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 279 de Stage 1 et nous allons jouer aujourd'hui à Hot Pinball Trails, qui est un jeu qui me fait bien rigoler rien qu'au nom et rien qu'à la vue. Voilà, c'est Hot Pinball. On fait pas souvent des jeux comme ça, mais il y en existe tout un paquet sur Steam aussi, et même en dehors de Steam. Et bah du coup on va y jouer, puis on va voir ce que ça donne. J'y ai pas encore joué. Je sais pas du tout, je sais juste qu'on peut jouer avec la manette, parce que je l'ai activé et que je teste toujours. Et que là, ben voilà, ça va être un jeu soi-disant sexy. Alors, est-ce que vous repartirez de cette vidéo en ayant bordé? Je sais pas. En tout cas, on va au moins avoir découvert un jeu. D'ailleurs, vous remarquez que quand je sélectionne New Game, il y a un petit pixel de merde. Alors, j'ai pas la souris du coup. Il y a un petit pixel de merde, il est super mal fait. Mais déjà, voilà. Déjà, c'est de la grosse merde. Voilà, allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Car Wash, Moulin Rouge, Beach. Ok, on a 3 niveaux. Bon, on va sûrement tester les 3, hein, pour voir ce que ça donne. Car Wash. Alors, avec la manette, c'est bien, c'est logique, hein. Pinball pour... voilà. Alors, on fait une petite visite du terrain. Il y a une voiture qui se lave. Voilà. Et puis, on est parti. Je lance la bille. En appuyant sur A. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouh, on ressent la vitesse. Youhou! Alors les trucs sont en forme. Il y a des images de bisous sur les tokers là. Je sais pas si on peut perdre ou pas facilement, je ne sais pas. En tout cas, la bille, il y a des mouvements qui sont pas normales. Qu'est-ce que... est-ce que vous avez entendu le bruit qui vient de se passer quand la bille est ressortie? On aurait dit qu'elle sortait d'un anus. Donc voilà, j'ai perdu ma première bille. Et on est reparti. Ok, la balle, elle est tombée. Faudrait que j'aille là-bas où il y a les flèches vertes. Ah bah, balle sauvegardée encore parce qu'elle est tombée comme une grosse merde. Ok, elle est retombée comme une grosse merde. Ouais, allez, on relance la bille, on doit en avoir 3. Ah non, il y en a 5. Balle left, 5. Eh ben c'est pas alors c'est vraiment pas super rapide, hein. C'est un peu lent. Qu'est-ce que j'ai fait là? Oh putain. Il faut que je passe dans le truc là bas vert. Mais putain, c'est un truc de ouf. Comment tu veux que j'y passe? C'est déjà hardcore pour rien pour ce level quoi. Ok, tranquille. Les trucs qui se jettent entre eux. Allez, hein, on fait un petit ping-pong, on fait un petit tennis. Entre nanas. En plus, c'est des nanas sur les bumpers. Il y a des nanas partout. Comment il y a des gens qui ont développé ce jeu sans dit tiens. Oh putain, les bruits sont glauques. Écoutez, c'est des bisous, des trucs, des gouttes qui tombent, je sais pas où. Ah, c'est glauque à souhait, quoi. Non. Oui, ball lost. Hein. J'ai perdu ma boule. Ah putain, ce bruit de bisou qui est dégueulasse. Ah oui, d'accord, moi aussi je t'aime. Elle vient de me dire I love you. Ah oui, I love you baby. Oh oui. À chaque fois que je tape dans un bisou, ça fait un gros bisou. Ah, la balle a été perdue. Encore une balle. Je serais pas passé une seule fois dans le truc vert. Ah, putain, ça fait bruit. Ah, ta mère. Elle a tendance à beaucoup tomber dans le vide, hein, la balle, quand même. Hein. Non, ah bah oui, voilà.
Et voilà. Game over. Quitte au menu. Et on va se sélectionner un autre niveau. Allez, on va voir si les autres sont plus intéressants. Moulin Rouge. Allez, c'est parti, Moulin Rouge. Qu'est-ce qu'il y a de plus dans le Moulin Rouge? On a le moulin déjà, c'est pas mal. Des nanas avec des froufrous là, des froufrous. Hop. Hop. Alors, il y a les portes du Moulin Rouge, là où il y a des bisous. Alors, attendez, écoutez, hein? Je crois qu'il y a un bug. Vous l'aimez ce bruit, hein? Ouais, je crois qu'on va quitter tout menu, hein. Voilà, on va essayer de se refaire un petit moulin rouge vite fait. Et puis voilà, c'est un jeu de merde, hein. Il a été fait avec le cul, comme qui dirait. La. Ball sale. En fait, elle passe plus de temps. Attends, là, ok. Ok, la balle, elle tombe. Ok, d'accord. Hi. Oh putain. Je crains un autre bug de balle. Ok. Ok. You are sexy. Décède. Ah, vite, ouais, d'accord. Ok. Ça va vite, hein. Ce niveau est infaisable, en fait, ça fait que de tomber. Il y a des mauvaises chutes. Puis la balle a rebondi comme une grosse salope. Oh. Mon dieu. Oui, je suis sexy. Elle fait que me dire que je suis sexy, mais ça me fait absolument pas vibrer, dis donc, quand elle me dit ça. Combo. Super combo. Super combo. Super combo. Il y a une femme qui vient de jouir dans mon oreille. Allez, on continue, on va essayer de faire un bon score. Là, c'est 6 millions, je sais pas comment j'ai fait, mais en tout cas, je les ai fait. Ça rigole pas là-haut. Là où ça fait du score. Oh oui. Ça bump. Oh, yo. En fait, vous mettez plus de temps à attendre que la balle retombe. Attendez, quand ça retombe du circuit, là, ça va directement dans le vide. Oh mon dieu, ce vieux circuit. En fait, le premier était passable, mais celui-là est vraiment mauvais. You are sexy. Combo. J'aime bien le combo. Il est bien fait là, le combo. Yo. Oh putain, la puissance de la balle. Elle est rapide. Super combo. Est-ce qu'il y a un méga combo? Unbelievable. Fait type mon aim. J'avais pas vu tout à l'heure, j'avais dû appuyer sur Sylvanus. C'est moi. Allez, on va se quitter tout menu et on va choisir la plage, le troisième terrain de ce super jeu que je vous recommande effectivement si vous voulez vous ennuyer et avoir un jeu de très mauvaise qualité sur lequel vous pouvez, les balles peuvent se bloquer. I love you. Putain, bitch, elle s'en moitié à poil. C'est les bitches, mais pas dans le même sens, putain! Oui, monter dans le phare, ma belle. Allez, monter au phare. Oh, en plus, il y a les bruits de l'eau et tout, genre elle nage, quoi. Mais le truc de Microsoft, il est beaucoup plus mieux fait. Ah! Que ce truc de merde, quoi. Il faudra qu'on se fasse la vidéo sur Pinball FX.
de Microsoft. Bon, du coup, j'avais eu en bundle, j'avais eu deux, trois terrains, parce qu'ils coûtent tous un bras. Hein. Je crois qu'ils coûtent 5 euros à chaque fois, chaque paysage de... Enfin, chaque plateau, on va dire. C'est... Oui. Combo. Ah oh, putain, il y a un sticker là, je l'avais pas vu. Ah, il a l'avantage ce terrain d'avoir ça. Elle est où ma belle? Oh putain. Oh putain. Des bisous. Yo. La balle va dans des directions qui n'ont rien à voir avec les endroits où je les tiens. Hi. Elles sont creux à Hawaii les filles quoi. Oh putain. J'ai plusieurs balles. Oh, ça va chier. Ah, mais non, ça chie pas du tout. Non. Ok, j'en ai déjà perdu une. Et j'en ai perdu deux aussi, donc voilà. Tring. Hop. Hop là. Ah oui. Je fais des petits plongeons, des petits bisous. Des petits bisous dans le plongeon, des plongeons dans le bisou. Oui, monte au phare. Allez, montez au phare. Ouais. Scombo. J'étais sûr qu'il allait. Ah. Ouah, con, il s'est passé quoi là? Il y a eu. Kickback. Je sais pas ce que ça veut dire kickback. Allez, dernière balle pour ce jeu loup. Je vais pas vous faire supplice plus longtemps. Oh putain, qu'est-ce que c'est que ça? Tuc. Allez, hop. Oui, monte au phare. Non, c'est pas assez fort. Et elle redescend du phare. Kickback. Ah, c'est ça le kickback. Elle est allée deux fois dedans, quand même. Elle a été renvoyée, elle est revenue au kickback. Eh ben, tu crois que je peux rentrer dans le phare, là, par là? Par en bas, là? J'y arriverai jamais, c'est ma dernière balle. Ouh. En plus, c'est une bille qui brille bien, parce qu'à chaque fois qu'elle passe, on la perd de vue, parce qu'elle reflète le dessin qui est par terre. YOLO la balle, pas trop vite. Elle a des directions qui n'ont aucun sens quoi. Par rapport à là où vous la. Voilà, regardez. Voilà. Ah, what the fuck quoi. Même quand elle rebondit, c'est what the fuck. All trap. Putain, il est à l'intérieur là, c'est quoi ça? Et pourquoi je vois pas l'intérieur? Ok. Ok. Ball lost. Game over. Et voilà pour ce jeu. Quitte tout menu. On va faire back. Et on va regarder les crédits. Voici les noms des gens qui ont fait cette horreur. Pas musicale, parce que la musique est sympa par contre. Sonore, les petits sons, graphiques, voilà, c'est eux. Il y a des gens. Ah, musique et SFX, Arek Redja, bien dû s'éclater quand même. Fancy Beat, évidemment. On entend des voix de femmes. Donc voilà pour cette vidéo de At Spinball Trills. Voilà, il fallait au moins faire un jeu de temps en temps comme ça. Soi-disant sexy, qui fait pas bien, qui excite pas grand monde, à part le développeur. Moi, si j'étais une entreprise, j'aurais jamais mis mon nom là sur entre les deux femmes, là, tu vois. Voilà. Là, déjà. Puis j'aurais pas mis mon nom dans le crédit si j'étais développeur non plus. Voilà. J'ai pas grand-chose à dire. Ce jeu est bizarre, mal fait, très, enfin, plutôt vite fait, je pense, avec des bugs. Voilà, des bugs de balles. Ça m'étonnerait que je vous voie y jouer, à part pour le fun.
vous me disiez, oui, je vais jouer ce jeu-là, c'est franchement, c'est ma passion, je vais faire des concours. La merde, quand même. Bon, voilà. À moins que les femmes vous aient excité, mais de rien que ouais, graphiquement. Celle de gauche, peut-être, mais celle de droite, pff, regardez-moi sa tête, quoi. Burk. Non, même pas. Enfin, non, même celle de gauche, c'est dégueulasse. Tout est dégueulasse, désolé. Je dis vague, vague. Bon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à aimer, à mettre des pouces. À mettre des pouces à l'envers si vous n'avez pas aimé, hein, parce que c'est vraiment de la merde. Bah, après, ma vidéo en elle-même, hein. Si vous avez aimé, mettez quand même un petit pouce, quand même, un petit pouce en l'air. Et puis sinon, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut !